Dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour investir dans le meublé, dans les locations meublées, dans les locations saisonnières à Abidjan. Une astuce, l'astuce la plus rapide, la plus efficace et la plus rentable. Vous voyez, en temps normal, lorsque vous voulez lancer dans le meublé, vous recherchez un appartement vide. Initialement, vous allez prendre un appartement dans un quartier bien placé, accessible. Et puis, vous allez le meubler vous-même. Et puis ensuite, vous allez vous lancer dans tout ce qui est démarchage pour chercher des clients qui vont venir occuper ce meublé-là pour vous pendant une période bien donnée, bien définie. Nous, c'est ce que nous faisions. Le souci à Abidjan, c'est que beaucoup de propriétaires aujourd'hui ne veulent pas que leur appartement soit utilisé pour des résidences meublées. Beaucoup de propriétaires sont réfractaires à ça pour des raisons qui sont compréhensibles, pour plusieurs raisons. La première étant qu'ils ne souhaitent pas de défilé de touristes, de personnes dans leur immeuble. Ça peut effrayer les voisins, ça peut mettre les voisins mal à l'aise. Et puis, il y a le côté moral, ok? C'est-à-dire que l'appartement, l'immeuble se transformera en hôtel. Ou souvent même, quand le propriétaire du meublé accepte des locations à la journée, ça peut devenir carrément un lieu de passe qui va vraiment envoyer un mauvais message au voisinage, surtout s'il y a des enfants et tout ça. Donc, c'est l'une des raisons. Et puis après, il y a le côté des impôts qui va dissuader un propriétaire qui va faire qu'un propriétaire va refuser qu'on fasse du meublé, des résidences meublées dans son immeuble. Voilà, donc précédemment, c'était ce qu'on faisait. On prend l'appartement et puis on le meuble. Aujourd'hui, c'est devenu tellement difficile. Voilà, à telle enseigne que quand tu trouves une annonce sur Internet, la première chose que tu demandes, c'est « Est-ce que meublé passe ?» Donc ça, c'est la phrase « passe-partout » rapide qu'on utilise. « Est-ce que meublé passe ?» Et puis, l'agent immobilier va vous dire oui ou non. 90% des cas, c'est non. 90% des cas, c'est non. Là, dernièrement, on cherchait un meublé pour augmenter un peu notre parc. Ça a été très difficile. Jusqu'à présent même, on n'en a pas trouvé. Voilà. Donc, l'astuce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de prendre des appartements déjà meublés qui sont à céder. Concrètement, un propriétaire de meublé, quelqu'un qui est déjà dans le meublé, a déjà tout fait et cède automatiquement le meublé, tout ce qu'il y a dedans, à un nouveau propriétaire, c'est-à-dire vous. Il y a plusieurs avantages à ça. Vous voyez, sur Abidjan, nous, on va conseiller, moi, je vais conseiller de prendre souvent soit des studios, ok, soit des deux pièces. Parce que c'est ce qui est facile à remplir et puis c'est ce qui n'est pas trop lourd en charge quand il n'y a personne. Donc, c'est clair que si vous partez prendre un 4 pièces ou une villa à 450 000, 500 000 quand il n'y a personne dedans, c'est lourd. Ok? Donc, en général, moi, je conseille soit un studio, soit un 2 pièces. Au premier ou au deuxième, pas plus, et les rez-de-chaussée, je déconseille. Ça, ce sont des techniques même dans les choix d'un bien immobilier. On essaie de faire attention à ces choses-là. Donc, quand vous prenez un studio ou un 2 pièces, ça va, le prix de la location va tourner entre 150 000 et 250 000. Si on prend une moyenne de 200 000 par exemple, ici à Abidjan, on demande 5 mois, 2 mois de caution, 2 mois d'avance et puis 1 mois d'agence qui revient à l'agence immobilière. Ça vous fait déjà 1 million pour l'appartement vide. Donc, on passe une moyenne de 200 000. 5 mois, ça vous fait déjà 1 million. Ok? Donc, 1 million qui sont déjà dépensés dans ce projet de meublé. Ensuite, il y a deux choses pour meubler l'appartement. Soit vous allez partir sur la solution économique qui est de faire tout le mobilier. La table à manger, la table de thé, qui est la petite table, le lit, les commodes, les placards et tout ça. Soit vous partez sur cette solution économique et de fabriquer vos meubles vous-même. Ça, c'est bien, c'est économique. Le désavantage de ça, c'est que vous êtes en train de perdre du temps. Vous êtes en train de perdre du temps dans l'exploitation de votre meublé. Vous avez versé une caution. L'objectif pour vous, c'est de débiter le plus rapidement possible parce que les loyers vont être dus.
Vous êtes en train de perdre du temps. Les menuisiers, l'ébéniste va prendre au moins un mois, deux mois à vous fabriquer tout ça pour que votre appartement soit meublé. Donc, vous perdez deux mois. Vous devez commencer à payer déjà le loyer. Si vous partez pour la solution rapide mais moins économique qui est l'achat direct de ce mobilier-là, ça va vous coûter énormément d'argent. Voilà. Vous pouvez vous retrouver en train de dépenser 2 500 000 uniquement que dans le meublé. Voilà, parce qu'il faut prendre les canapés, il faut prendre la table à manger, il faut prendre le lit, il faut prendre la table de télé, tout ça. Et puis ensuite, il y a le mobilier et puis le multimédia, frigo, chauffe-eau. Chauffe-eau, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vivent en Europe qui vont venir, ils sont habitués à se laver avec de l'eau chaude. C'est pas comme ici où on se lave avec l'eau glacée le matin, eux, ils auront besoin de ça. Micro-ondes, parce qu'ils sont habitués au micro-ondes là où ils vivent. Et parce que quand ils viennent ici, ils n'ont pas le temps de, voilà, rapidement, ils chauffent leur truc, ils partent. Frigo, gazinière, micro-ondes, chauffe-eau, machine à café. Ok, parce qu'on veut meubler, on veut faire un ameublement au standard européen, au standard occidental. Donc du coup, il faut pas hésiter à investir dans toutes ces choses-là. D'accord? J'enlève le téléphone sur le pare-brise, sinon il va s'éteindre tout de suite. Voilà. Donc il faut équiper complètement l'appartement. Vous vous rendez pas compte, quand vous commencez à équiper l'appartement, vous pensez que vous ne dépensez pas. Le temps de vous en rendre compte, vous avez déjà mis 3 500 000 dans l'appartement. Même plus, en fonction du standing que vous voulez lui donner. Voilà. Entre la télé, le frigo, le micro-ondes, la gazinière, le chauffe-eau, si vous partez sur des éléments qui sont neufs, ça peut vous coûter très très cher. Moi, je passe sur du neuf parce que mon premier meublé, j'étais parti sur de l'occasion, j'ai regretté. Parce que si vous partez sur de l'occasion et que les appareils tombent toujours en panne, vous serez tout le temps importuné par vos locataires. Donc, vous partez sur du neuf. Quand vous partez sur du neuf, l'addition peut monter très, 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 très rapidement. OK? Donc, tout ce temps où vous êtes en train de prendre pour meubler et pour décorer comme il faut, vous êtes en train de perdre du temps. Les deux mois de caution, ce ne sont que deux mois de caution. À partir du deuxième mois de caution, le loyer est dû. Vous n'avez encore mis personne dans votre meublé. La meilleure option aujourd'hui en 2022 pour se lancer dans le meublé, c'est de rechercher des meublés à céder. Parallèlement, vous pouvez chercher des appartements pour faire des meublés. Mais si vous voulez aller vite, vous pouvez lancer les deux recherches et puis le premier qui vient, vous le saisissez. Mais moi, je vous conseille exclusivement d'aller vers des studios qui sont déjà meublés. Parce que, un, tout est déjà là, exploitable à partir du lendemain. De deux, il y a déjà une clientèle qui est habituée à venir dans cet appartement-là. Et puis de trois, si vous travaillez avec M. Nipa Joël Anani, promoteur de la chaîne Assise du Pays, vous bénéficiez de toute sa communauté puisque voilà, si vous nous sollicitez, on peut faire une vidéo dans votre meublé et puis attirer les personnes vers votre meublé de sorte à pouvoir le remplir et rentabiliser votre investissement. Donc, vous partez directement sur quelque chose qui est déjà meublé, quelque chose qui est déjà fini. Vous prenez les clés et vous exigez également que le bail soit mis à votre nom. Pas de question de faire de la sous-location. Parce que déjà, le propriétaire, il utilise l'appartement pour faire du meublé. Si en plus, vous êtes sous couvert de lui, ça peut être très compliqué. Ok, vous n'êtes jamais sûr que vos loyers arrivent au propriétaire. C'est compliqué avec tous les désavantages que ça peut apporter. Vous demandez à ce que l'appartement soit mis à votre nom. Vous partez sur un nouveau bail et vous faites votre business tranquillement. Récupérez des meublés déjà, de récupérer des meublés à céder, c'est la clé pour vous lancer dans les résidences meublées en 2022. Tout ce que nous prenons aujourd'hui, ce sont des meublés à céder. Dernièrement, j'ai posté dans un groupe WhatsApp et Telegram une opportunité d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour celui ou celle qui voudrait profiter d'un meublé déjà tout équipé, ok, vous envoyez en commentaire, vous donnez votre numéro WhatsApp, on vous enverra les photos et les conditions. Ou alors, vous cliquez sur le lien Telegram ou WhatsApp en dessous, vous rejoignez le groupe et puis je reposte ça en général tous les jours. Ok? Ou alors, vous demandez simplement les informations en commentaire sous cette vidéo et puis on vous enverra toutes les informations nécessaires. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu as un projet de meublé et que tu avais un projet de meublé à Abidjan, sache qu'actuellement, il y a un meublé déjà tout équipé. Tu
prends le meublé aujourd'hui, le bail est transcrit à ton nom. À partir de la semaine prochaine, tu commences à l'exploiter. Ce sont des opportunités que nous saisissions nous-mêmes précédemment. Et puis, dernièrement, nous avons eu l'idée de pouvoir ouvrir cette opportunité à la communauté. Donc, nous espérons que tu comprends l'avantage de récupérer un meublé déjà tout équipé. Je l'ai mis dans le groupe. On a eu quelques intéressés. Ok, on continue toujours à communiquer là-dessus de sorte à ce que la première personne qui se positionne est celle qui va récupérer le meublé. Donc pour l'instant, c'est encore disponible, c'est encore ouvert. Je crois que c'est hier que j'ai fait l'annonce. Donc, le temps que les gens reçoivent l'information et le temps qu'ils puissent se positionner. On a trois personnes qui sont actuellement en train de voir les voies et moyens pour payer. Donc, si vous êtes plus percutant, plus pertinent, plus concret, vous pouvez récupérer ce meublé là. Voilà, et puis on va régulièrement poster des meublés à céder sur Abidjan de sorte à ce que vous qui voulez vous lancer dans ce domaine là, vous puissiez saisir directement l'opportunité. Voilà. Descends en bas de description si tu as un projet, tu aimerais qu'on puisse le découvrir ensemble et que je puisse faire profiter de mon expertise. Il y a un lien, tu prends un rendez-vous, on se fixe une séance Zoom et puis on échange sur ton projet et à la fin, je te donne le plan d'action pour pouvoir réaliser ton projet sur Abidjan. C'était Niepa Joël Anani, promoteur du repartpreneuriat, investir, rentrer et vivre au pays sur la chaîne Assise du Pays. À la prochaine opportunité.